La visite du roi est rare. La dernière fois qu'il s'est rendu en Cisjordanie, c'était il y a 5 ans. Le moment de cette visite est crucial. Elle intervient après les récentes violences à Jérusalem déclenchées par le choix sécuritaire unilatéral d'Israël imposé dans le troisième site le plus saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Ces mesures ont déclenché une querelle diplomatique entre la Jordanie et Israël et un arrêt de la coopération sécuritaire entre Palestiniens et Israéliens. Des semaines après une baisse des violences, le partage des informations liées à la sécurité n'a pas repris, ce qui place le président palestinien sous pression pour qu'il fasse marche arrière sur sa déclaration de gel de la coopération. Il y a également de la pression pour que les pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens reviennent sur l'agenda. Le roi Abdullah appelle à intensifier les efforts pour que l'agenda avance. Le président Abbas cherche aussi du soutien alors qu'il continue à appliquer une pression économique sur les chefs du Hamas de Gaza en ne payant pas les salaires et en coupant l'électricité dans un environnement déjà extrême afin de les pousser hors du pouvoir. Selon les experts, le roi est à Ramallah pour discuter de ces choses et offrir au président Abbas un soutien moral.